Bon, d'abord, je suis le président du groupe des députés du Front de Gauche à l'Assemblée nationale, donc je voulais le dire et dire qu'en tant que la sensibilité politique que je représente souhaite s'investir et s'investit, je crois, réellement, concrètement, dans les questions que vous avez soulevées. Je crois. Quand on parle d'éducation, moi, je parlerai aussi d'éducation pour les élus. Et même, je pourrais même dire de formation pour les élus. Moi, j'en parle dans... Je ne suis plus maire de mon village, mais on a plusieurs familles qui ont trouvé dans notre village un lieu de vie, je crois, en solutionnant les problèmes, en essayant de solutionner les problèmes qui se posent. Il y a eu des acquisitions de logements, de maisons qui ont été faites. Mais c'est quelque chose qu'on ne cache pas et qu'on prend à bras-le-corps. Et l'éducation, c'est aussi l'éducation de l'ensemble de la population. Et dans un moment où on se replie sur soi-même, où chacun pense à ses égoïsmes, je crois que c'est aussi un moyen de voir les choses différemment en termes de relations sociales. Je suis très très sensible, je voulais faire passer ce message, je crois que c'est très important, il faut qu'on le prenne à bras le corps. Deuxième chose, c'est lié au fait que ces problèmes-là ne doivent pas être minimisés par les pouvoirs publics, je crois que mes collègues en parleront, que je ne veux pas développer là-dessus, mais je pense qu'il faut qu'on ait ça toujours en tête. Et y compris dans notre travail parlementaire, on est quelquefois confronté sur des textes de loi où on ne prend pas en compte les questions. Je prends un exemple. On dit il faut simplifier le droit. On dit il faut par exemple qu'il y ait moins d'installations classées pour la protection de l'environnement. Moi, je veux bien qu'au nom de la simplification du droit, on aborde ces questions-là. Mais quelles peuvent être les conséquences ensuite pour prendre en compte toutes les conséquences de l'installation d'une infrastructure quelconque sur des problèmes tels que ce type de maladie. C'est un exemple. En ce qui concerne le professionnellement, moi, j'ai été confronté aussi à des problèmes où dans l'administration, on ne tient pas compte, d'une part, des usagers de l'administration publique, hein, qui ont les pires des difficultés pour aller dans certaines administrations. Donc il faut bien que par rapport à ça, il faut le prendre à bras le corps. Et je dirais aussi des agents de la fonction publique, notamment, qui n'arrivent pas à trouver des solutions par rapport à des problèmes, et y compris pour être reconnus comme handicapés quelquefois. Moi, j'ai des cas précis sur lesquels j'ai eu l'occasion d'intervenir. Ce que je veux dire par là, et je terminerai là-dessus, c'est que je crois que c'est avant tout une prise de conscience qu'il faut qu'on ait individuellement et qu'on fasse porter par nos partis politiques respectifs, et surtout que dans nos actes, que ce soit nos actes d'élus de terrain ou que ce soit dans nos actes de législateurs, on garde ça en tête de façon à prendre en compte véritablement. Voilà le simple message que je voulais faire passer. Vous m'excusez. Merci.